Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch en insurrection full heroes, donc avec tous les héros disponibles. On passe, hein, vu qu'on connaît tous. Et donc vous voyez que tous les héros sont disponibles. Et je vais prendre un pic de troll, non un pic efficace à mon avis dans cette... J'ai envie de tester pour voir si le pic sera efficace ou non dans ce mode de jeu tout simplement. Il va nous falloir un heal, hein, mais j'ai pris un personnage qui a du solo heal, donc c'est pas en soi extrêmement grave. On va bien voir. Nous sommes dans difficile, chers amis, je ne sais pas si je l'ai précisé. Je ne peux pas les geler. Ok. Ah, je pense qu'il y avoir des gens ici. Même pas. Crac. Ok. Bah alors, tu viens pas? C'est des champions. Bah du coup, j'ai l'impression qu'on va pas faire de kill. Je vais me monter. Crac. Donc j'ai peut-être pas choisi le meilleur des pics, hein, c'est possible aussi. Hein. Il faut quelqu'un sur le point par contre, hein, normalement, pour le faire grimper. Hein. Regroupez-vous. Bah ils ont pas compris les règles. C'est Lucio qui va au cac quoi. Compris. Regroupez-vous à mes côtés. M'amuse. Mais je pense qu'il peut être complètement craqué ce personnage grâce principalement à son ult. C'est bien congelé. Apparemment le gel marche pas. Sur les gros. En tout cas, c'est très très dur de geler un robot. Pas beaucoup d'ennemis, ça va. Hein. On est 30 shields pour le moment. On est tranquille pour le moment, hein. C'est pas... Des attaques pourraient surgir de toutes les directions. Genre de là, précisément. En parlant de mur, vas-y, pardon, excuse-moi. Ah! Ce fail. Bon. C'est pas grave. Moi, de toute façon, ça me dérange pas trop parce qu'en fait, je me rends compte que Mei, eh ben, n'est pas si pratique. Mei n'est pas si pratique que ça. Dans ce mode. Je pensais qu'elle allait geler les ennemis normalement, et finalement, bah, elle les gèle pas. Donc, c'est pas drôle du tout. Donc, je suis assez déçu. Je suis même pas là, vous voyez, donc je fais même pas le café. Hop, on y retourne. Il faut que je prenne un autre personnage, donc, clairement. Ellipse.
Ok, heureux, chers amis, donc. On est dedans. Il faut qu'on trouve un autre personnage qui puisse être tout aussi pratique sans que ce soit un personnage qui soit en train... Je veux pas en fait carry la game pour les autres. Donc je veux pas, si possible, je ne veux pas heal en fait. C'est tout bête, mais... Oh, c'est la même équipe. C'est les mêmes. Et bah pourquoi pas Pharah... pourquoi pas Pharah... Ouh, Genji. Genji, il y a plein de petits bots, ça peut être rigolo. De toute façon, faut que je m'entraîne avec la plupart des personnages maintenant. Enfin, de ceux qui m'intéressent. J'ai joué beaucoup le tank, je me suis amélioré en termes de aim, je touche à pas loin de 50% en aim avec des héros qui scannent. Je trouve ça pas mal, sachant que quand je vois que certains personnages sont plutôt entre 25, certaines personnes sont entre 25 et 30, je me dis que je me suis bien amélioré. Maintenant, hop. Crac. Ok, on a une diva, tiens. Why not? Déployez votre drone pour lancer le piratage. Le secteur 0 se déplace vers votre position. C'est nul, ça spawn pas. Il va quitter le point ou pas? Eh, faut pas quitter le point. Je pourrais redasher, hein. Faut pas quitter le point. Ah, mais c'est débile! Load. Je vous indique la position du second canon. Signature inconnue détectée droit devant. Probablement un nouveau robot du secteur. Voilà. Piratage en cours. Vous êtes à découvert. Soyez prudent. Hop. Les attaques pourraient surgir de toutes les directions. De toutes les directions. Oh mon dieu. Mauvais. Oh là là, je suis très très mauvais. Par contre, je dirais pas non à du heal, quoi. Hop. C'est un poil trop fragile pour la chose. Il a même pas le temps de m'attaquer, c'est nul. On détecte de nombreuses troupes du secteur 0 se dirigeant vers... Alors. Ok. Hop. Faut que je pense à utiliser le... On va passer le mur du centre.
Ah, pourquoi tout le monde est sorti? En fait, j'ai appuyé sur le bouton. Ah putain, mais y'a personne sur le point! C'est casse-couille. Faudrait qu'on foute une full team défense. Symmetra. Tout ça. Hop. Ok. On perd du temps bêtement en fait. Allez, Diva. Hop. Crac. Normalement, je devrais pouvoir dasher de partout. Marche pas dessus. Putain, ils ont tous une faiblesse dans le dos en fait. C'est beaucoup plus complexe que la dernière. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs. Finalement on va peut-être faire un, une partie dans tous les modes, hein. Je sais pas, on verra. Ok. Bah là j'ai le, accès au truc. Bon, vous voyez, j'ai pas du tout le. Bon, de toute façon, je pensais pas l'avoir, en toute honnêteté. Là, je l'ai pas vu en fait. Le problème c'est que Diva, elle ressemble déjà à un mecha quoi. Putain, ils sont solides. Oh la vache! La quantité de dégâts sur un bastion quoi. Ah la vache! Comme quoi c'est bien plus dur avec un bastion. Donc j'ai pas encore pris le bon pic. Clairement, je pensais que ça allait faire le plus le café que ça. Que ça allait en fait le dash allait plus vraiment, j'allais pouvoir mash le dash en fait tout simplement. Mais clairement c'était pas possible. Puisque les ennemis ont tous masse PV en fait. Donc peut-être effectivement qu'une Symmetra pourrait être une bonne idée. Je ne sais pas. Ça m'intéresse. Précision 46%, vous voyez, je suis pas mal. Ça peut être intéressant.
On est où dans l'épisode, chers amis? On a 15 minutes. Bah, ce que je peux faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour un nouveau test de ce mode avec tous les héros. On va chercher les héros les plus adéquats. Voilà. Salut les gens!